Salut à tous, vous êtes tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a à nouveau une petite compétition de natation synchronisée. Donc, on se trouve en France et ces filles, je tiens à dire, qu'elles viennent de Belgique. Donc, il y a une petite compétition. Là, elles vont plonger avec de beaux plongeons, bien sûr. Là, tout de suite, ils font une figure, plutôt un salto. Ça rime en plus. Maintenant, elles montrent leurs pieds. Elles respirent en même temps qu'elles bougent leurs pieds, on va dire. Donc, elles font pas mal de figures très rapidement. D'ailleurs, je tiens à dire que dans la natation synchronisée, c'est comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et donc elles font tout synchro, donc c'est là où le nom synchro vient. Puisqu'en fait, là, synchro, le mot synchroniser, et là, ça veut dire faire une chose en même temps. Faire des mouvements en même temps. Et c'est de la natation car c'est dans l'eau, enfin, c'est logique. Il y en a qui appellent ça la danse sous l'eau, ou la danse dans l'eau. Oui, on peut dire ça, mais imaginons on avait un tutu dans l'eau, ça serait pas très pratique. Et de plus, même dans les balais, même... pour personnaliser. D'ailleurs, je tiens à dire que les cascades, vous savez ce que c'est? Les cascades, c'est ce qu'ils montrent là. Elles font c'est comme un peu les cascades. Vous voyez, il y a une petite goutte d'eau. Imaginons la cascade, elle a des étapes. Elle traverse la première étape, la deuxième, la troisième. Et c'est parti. Donc les cascades, et la première, elle fait 2, 3. La deuxième, c'est 3, 4. Et voilà. Maintenant, elles font de belles figures. Elles font toujours des poses synchronisées. Donc soit en rectangle, soit en carré. Vraiment, je tiens à dire que c'est félicitations car à faire des compétitions tout en même temps dans de l'eau froide. Enfin, oui, je tiens à dire qu'elle est froide. Hein. Sans lunettes, parfois on peut même s'écraser parmi nous, enfin, puisque toujours là-bas, on est toujours serré. Je tiens à dire merci à tous ceux qui pratiquent ce sport et merci à ceux qui l'ont inventé. Parce que moi, c'est mon sport préféré. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous et ciao! À la prochaine vidéo!